Ha! Même deux ans. Et donc, la serveuse vient me demander mon goût. Je réponds la bière. Monsieur se fâche. Il prend les gros nez. Il se fâche. Donc, parce que tu es musulman, que tout le monde a marché comme tu veux. Non. Déjà que je ne ressens pas à d'autres filles là. Je sais comment ils ont fait pour venir vous mentir sur la toile. Je ne suis pas dans ça. T'es naturel d'abord. C'est-à-dire que je suis posée jusqu'à la gare. Vous êtes malade. Merde. Ou c'est Popé du Brésil, ou c'est qui, on ne connaît même pas. L'autre, la blanche de Bouddha. Maman, déjà que toi, tu m'énerves là. Comment on se t'impose dans les couloirs. Il déballe tout ça ici, tu ne gagnes même plus rien. Tu as compris, non? Merde. C'est tendu. Pardon. Maman, il doit couper le nectar, maman. Hey. Oh, il a fini. Je t'ai dit. D'autres pas te prêter les perruques. On veut vous mentir sur la toile. Vous prenez, vous faites vos têtes là. Achetez encore l'autre, c'est fini. Elle sait très bien que je ne consomme pas d'alcool et que je suis musulman, mais elle ne se gêne pas de commander une bière. Et je suis quoi, bien glacé. Vous-même, vous pensez que c'est normal. Et dans tout ça, les autres filles ont pris les balles perdues. Et elle, elle est tranquille, elle ne se gêne pas. Merci madame. Didier, tu ne peux pas laisser la serveuse faire son travail. Voilà, bien c'est fini. Tu les as quoi? Écoute Joyce, je sais que c'est ton comme ça. Je sais que c'est comme ça que tu es. Mais tu es en train de pousser le bouchon très loin. Ce que tu fais là ne me plaît pas. Tu ne peux pas laisser la serveuse faire son travail. Depuis le début de cette émission, je veille à ce que tout le monde respecte tout le monde. Moi-même, je fais le maximum pour être respectueux. Et tu devrais en faire autant. Ne te fâche pas, maman. Ouais, mais ça va, j'ai compris. Ne te fâche pas. Souris alors. Peux te poser une question? Vas-y. Tu sais que tu es beau, hein? Et que c'est que j'ai un fantasme. Maman, pardon. Laissez-moi flatter mon homme, mon gars, mon cœur. Maman, j'ai des frissons en fait. J'ai des frissons. C'est comme un rêve qui devient réalité. On dit souvent que celle qui châtie bien aime bien. Donc laissez-moi prendre soin de lui en fait. Je suis déjà là. Le gars d'abord, la voiture. Il joue à One is Bet. Il a son propre code promo One is Bet. Attendez. Le gars a l'argent. Vous savez qu'on s'adonne à l'argent un peu. Il faut savoir en fait. Il faut savoir avec qui gérer. Oh là là. Les chômeurs là, quittez là-bas. Attendez. Quittez, regardez-vous. Tu es une folle, Joyce. Mais je te dis la vérité. Tu es vraiment unique à ton genre. Mais, ok. Oh. Moi, papa, moi, je suis vraiment unique. Tu peux manger avec les mains ici. Moi, je suis comme je suis. Voilà, parce que vraiment, votre fouchette là,
Je suis pas moi dans ça. Aïe. C'est sûr que je me sers. Cuisine bien, toujours. C'est bon. Maintenant, si je veux remonter, tu ne manges pas. Tu manges à la maison, rendez-vous. On dit quoi? T'as fait quoi? T'as fait tourner? Ouais. C'est quoi? C'est le majeur. Ouais, ouais. La caméra, yo. Tu fais quoi ici? Bonsoir, madame. C'est un nouvel candidat. Ouais, c'est. Bonsoir, ma. On se connaît. Toi, tu fais quoi? Bonsoir. Joe, calme-toi, il te connaît, arrête, t'es où là, easy. Elle, calme-toi, easy. Oh, moi, la connais. Ok. C'est pas que j'ai ici. C'est elle. Et elle en connaît. Tu me mets avec qui? Tu me connais où? Yeah! Y a l'oiseau, il la connaît. Caraca. Elle a de quoi? C'est la voix de mon cousin. Tu sors avec son cousin? Non. Non. Je sais pas le cousin. Tu écris non comment? C'est la voix de mon cousin. On se connaît. Attends, peut-être que c'est la paix. Attends. Donc, moi, toi, tu me fais passer pour quelqu'un qui l'aime. Moi, il l'aime. La fille que tu vois, c'est là. Le mot chat est petit pour elle. Chat même, c'est petit, il faut qu'elle mange son mot. Bon, dès que la fille, il a abonné, la fille est en haut niveau. Mon cousin a fatigué, c'est parce que je ne sais pas, peut-être qu'elle m'a attaché. Il ne va pas partir, mais sinon, mon cousin souvent que ça me. Moi, vous êtes sinon, bien ma nom. Bobetien, c'est son caillou. Oh, est-ce que Bobetien, c'est son caillou? Et t'as dit que tu as voulu me marquer, tu connais pas, non? J'ai moi dit qu'on va venir avec la Magnum, elle a dit non, on change d'endroit. Ouais, si tu veux te marquer la conversation, comment elle nous reçoit le piment, oh, quand elle met ses petits, a vu ses amis, Yango est devenu chef. Elle bang à la magie. Et dit, papa, on se connaît quelque part. Et que non, si le piment avait le comptoir, c'est que la fille, c'est la boutique. Monsieur n'a pas dit, elle bang. Quand elle avait, t'as dit quoi? Qu'elle fait des business, non? Elle m'a dit qu'elle fait un business, mais c'est son mot, son business, c'est son piment. Elle bang fort fort. C'est quand t'as payé le poulet, tu es mimba. Elle habite à Bepanda. Bepanda, yong yong, sous mangue, comme tu la vois là. Pas en cours. Non, ne coupez pas. Laissez couler. Attends, mais dans le bachelor, on va recevoir, c'est comme la voyez là. C'est pas une fille, elle s'en sort pas, c'est chaud. Moi, je comprends que quand une fille s'en sort pas, elle s'en sort pas. Mais il faut comment elle se voit dans la vie. Quand t'as sort pas, soit un bien. Elle a vu les hommes, quand elle est mimba. Ça va, Joe, ça va. Mais le poulet, si on t'a payé, tu as ramené le poulet un jour. Toi, tu le poulet pendant combien de fois par an? Senta. Quand tu me fais les mimba. Les avoir. Avec un bon. Les avoir, Joe, pardon. T'es pas, tu as fait la coupe chinoise. Je vais mettre les lunettes. Et quelle fille là-haut?